Salut tout le monde, on est vendredi donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis au parc de Miribel-Jonas, je vais pouvoir tourner cette vidéo sur un parking vide. Parce que comme vous avez pu le comprendre dans le titre de la vidéo, cette vidéo va être plus une vidéo de défi, de challenge. Pourquoi? Parce que après avoir fait une vidéo pour vous montrer comment je conduisais, après avoir fait une vidéo pour vous montrer l'équipe qui a monté l'adaptation dans le véhicule, j'ai eu quelques commentaires qui me disaient: mais en fait Bernard, est-ce que sans ton adaptation tu serais capable de conduire? Voilà pourquoi je me retrouve dans un parking vide aujourd'hui, c'est pour pouvoir essayer justement de conduire ma voiture sans adaptation. Alors mon adaptation est toujours dans la voiture, mais il faudra que je n'y touche pas. Donc je vais monter la GoPro dans la bagnole et puis on va faire quelques tours de parking pour voir ce que ça donne. C'est parti les gens, on est dans la voiture. Donc du coup, avec la clé en contact. Bon, je vous présente plus mon adaptation, bien entendu, la boule au volant pour pouvoir tourner le volant, la télécommande qui me permet de commander les essuie-glaces, les clignotants, le tirer poussé, je tire, j'accélère, je pousse, je freine, la boîte automatique. Et le but du jeu va être de conduire dans ce parking, mais sans tout ça, sans y toucher, voilà. Donc ce que je vais faire pour me mettre à l'aise dans un premier temps, je vais reculer le siège. Ah ouais, ben alors là, on bougeait pas. Voilà, une toute petite difficulté de régler. Donc comme vous pouvez le voir, je suis maintenant dans une position très confortable. J'ai les pieds qui touchent le sol. Pourquoi? Parce que le siège arrive exactement à la pliure de mes genoux. Donc comme vous avez pu voir, la profondeur d'assise pour les personnes de petite taille doit être très réduite. Et de ce fait là, je peux à peu près toucher les pédales. Quoique je suis encore un peu loin, hein. On va avancer le siège. Donc là ça devrait le faire un petit peu mieux. J'ai la pédale de frein. Ouais. La pédale d'accélérateur, ça va, je la touche. Bon, eh bien écoutez, on va y aller, hein. On va commencer à rouler, ça va être chaud, hein. Contact. Nous appuyons sur le frein pour pouvoir enclencher la position de départ. Faut pas oublier de desserrer le frein à main. Et on relâche tout doucement la pédale de frein. Ouais, alors c'est pas évident parce que j'ai aucune tenue au niveau du dos. Mes pieds sont dans le vide là, hein, actuellement, parce que avec la boîte automatique, il n'y a pas besoin de toucher les pédales pour avancer. Prenez un petit peu. Ouais, wow. Ça c'est chaud. Alors c'est compliqué à doser. On repart. On va tourner. Bon, on va faire des hauts, hein, sur le parking. Voilà. C'est chaud, hein. C'est le bordel. Ouais, ouais. Bon, on accélère un tout petit peu. Enfin, pas trop quand même, hein. Voilà, ouais. Alors le problème, c'est que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir 600 chevaux sous le capot. Parce que comme j'ai pas de tenue au niveau du dos, eh ben, ça me tire un petit peu vers l'arrière. Bon, c'est pas forcément confortable, hein, voilà. On continue de faire les ronds. On va faire un 8 là. On va créer un petit peu, on va faire un 8. Voilà. Alors ça tire sur les bras, hein. C'est un truc de malade. Hein. Voilà, j'accélère encore un petit peu. Comme je vous l'ai dit, le but du jeu c'est de pas toucher l'adaptation. Allez les gens, on y va. On s'éclate. Les gens dehors ils doivent se dire: putain, le mec il s'éclate à faire les tours de parking. Non, non, c'est pour une vidéo. On continue, on roule. C'est chaud patate, hein. C'est chaud patate. Alors évidemment je fais pas ça sur la route, par peur d'écraser une petite vieille. Ce serait quand même dommage pour la petite vieille. Voilà, voilà, donc vous voyez un petit peu la difficulté. Comme je vous l'ai dit, la profondeur d'assise n'est pas la même. Le dos ne touche pas, mais pourtant la pliure de mes genoux est au niveau du siège. Je galère un petit peu pour atteindre les pédales, mais ça va, ça se laisse, conduire. Ça se laisse conduire. C'est chaud, hein. C'est chaud là. Voilà, voilà, voilà. Ouh là là. C'est un peu le merdier, hein. Évidemment, je ferai pas ça tous les jours, hein. Mais si éventuellement mon adaptation tombait en panne, on va pas parler de malheur, hein. On va pas parler de malheur. Mais bon, voilà. Mais c'est faisable. C'est dangereux, mais c'est faisable. D'autant plus que je conduis sans ceinture de sécurité, bien entendu. Faites pas ça chez vous, les gens, hein. C'est parce que je suis sur un parking et je circule à 5 km/h. Je peux vous dire que c'est pas virulent, hein. On va essayer de passer aux 10. Ouais, non, on va pas passer les 10. Non, 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 non. C'est un peu compliqué. Bon, on va refaire un rond, là. Et puis je pense que vous avez à peu près vu comment ça se passait. Allez, on va se garer. On va faire un créneau. Non, 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 on fait pas de créneau, on fait pas de créneau. Si mon prof d'auto-école me voyait. Non, parce que ce que vous saviez pas, c'est que j'avais un professeur d'auto-école. Il était chiant. Franchement, il était super bon. Mais qu'est-ce qu'il était chiant.
C'est-à-dire que dès que je faisais une connerie, j'avais le droit à une tape derrière la tête. Et dès que je voyais que ça se passait plutôt pas mal, que je m'en sortais pas trop mal, il se grillait son petit cigario à côté de moi. Ouais, moi qui n'ai pas l'odeur de la clope. Génial. Mais il était cool, franchement, il était cool. Il m'a dit, écoute-moi bien Bernard, j'ai 100% de réussite. T'es pas le petit con qui va me faire baisser mon taux de réussite. Je lui ai dit, ok. J'ai eu mon permis. J'étais content. Bon, allez, on va arrêter le massacre. Oh, on va freiner. Oula. Ouais. C'est pareil, c'est pour les notions de frein. Ah ouais, c'est chaud quand même. Hein. Alors, on va faire une petite marche arrière. Oulala, la marche arrière. Une petite marche arrière. Voilà. Heureusement que j'ai le radar de recul. Hein. Attends, on va se faire la même en marche arrière. On va se mettre au milieu du parking. Ah, c'est bon. Et comment ils font les gens quand ils font les marches arrière? Comme ça. Voilà. Et regarde derrière. Hop là. Allez hop. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ouais, mais alors là, dis donc. Ah, y a les... Ouais, on va freiner. On va freiner. On va freiner. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, on va revenir sur la marche avant. C'est bien la marche avant. Je pense qu'on va se garer. Tranquillement. Pas de coup de frein. Freine. Oui, pas de coup de frein, Bernard, j'avais dit. Bon, allez, on arrête tout. Hop. Point mort. Là, on coupe. Bon, par contre, j'ai chaud, je crève de chaud. Allez, on sort la bagnole. Bon, franchement, je vous cache pas quand même qu'on est beaucoup mieux dehors parce que j'ai pris une suée à l'intérieur à conduire sans l'adaptation de la voiture. C'était quand même quelque chose d'assez coriace. Donc, je vais te demander une petite participation. C'est que si tu as aimé ce défi, ce challenge, n'hésite pas à me faire éclater la barre des likes. Ça pourrait être super cool. Et si vous avez éventuellement d'autres idées de défi, challenge, dans la limite du raisonnable, dans la limite du faisable aussi, bien entendu, à sens thermal, hein? Voilà les gens. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait être super cool. Et puis pourquoi pas, ça pourrait me donner l'occasion de relever ces défis en vidéo. Donc n'hésitez pas à me pourrir la barre de commentaires d'idées de défis. N'hésitez pas aussi à me pourrir la barre des likes, ça pourrait être vraiment super sympa, super cool. Et surtout, 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 n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao.